un pipi, c'est le bâton. Tels étaient au départ les ingrédients pour faire un... Rapid Pixel Brothers! Les Totally Spies contre les Super Nanas! Comment ça va les gens? Oui, oui Jerry, oui. 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 Allez-vous les gens, bienvenue, je baisse un petit peu le son quand même, histoire que ça déconne pas trop. Bienvenue pour ce Café MK TV 53. Ouais, je vais mettre le petit...
jamais ça me mute trop les yeux, je l'éteindrai, mais... Le chat, il est là. Le chat, il est là. On est bon. On est bon. Et oui, 50e café déjà. Bienvenue, hein, Yuyo, Petit Panda et Oroji. Bienvenue, bienvenue. On va passer une soirée sympa en live. Voilà, c'est la vie. Merde, oh là là. J'ai ce petit bug. Bah, si longtemps, pas vraiment, ça fait moins d'un an, Yuyo. Mais Yuyo, calme-toi. Calme-toi. Ah, j'adore ça. C'est vrai, merci Roger, hein, merci. Mais oui, effectivement, déjà 50 cafés. 50 cafés MKTV, ça commence à faire pas mal. Mais de toute façon, c'est vraiment un concept que je veux pas lâcher pour autant, parce que malgré tout ce que je compte faire par la suite en live et tout, ça restera une émission de toute façon qui restera et tout, parce que ça fait du bien, je trouve, d'avoir des moments posés, discussion, où quand tu fais du gaming, bah t'as pas forcément l'occasion de discuter. Ok, ma mère m'a confirmé qu'elle va peut-être m'acheter. Alors attention, la phrase est assez complexe, parce que ça a été confirmé que peut-être ça va se faire. C'est-à-dire que c'est pas confirmé que ça va se faire, ou c'est pas confirmé qu'elle va pas l'acheter, c'est confirmé que peut-être il y a l'éventualité de l'avoir. Donc, en tout cas, c'est mieux que rien, on est quand même sur la bonne voie. On est passé du néant à un peut-être confirmé. Je peux vous confirmer que peut-être nous allons réussir à voir tout Kolyoko Evolution. Voilà, ça ne veut pas dire... Moi, je vous laisse croire ce que ça veut dire. Mais en tout cas, on n'est pas encore sûr du résultat, parce que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Oui, alors du coup, on va essayer de faire un after pour essayer de continuer après Kolyoko Evolution. Bon, ceux qui regardent sur YouTube, du coup, vous ne serez pas là, mais vous ne verrez pas. Mais ouais, il faudrait continuer cet enfer un jour. Parce que plus tôt ce sera terminé, plus tôt je serai débarrassé, et mieux je me porterai. Je pense que oui. Comment vous allez, les gens? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez partager avec nous ce soir? PTDR, quoi vous... Oh non, mais c'est dur, hein, franchement c'est dur. Hier c'était vraiment vraiment dur. C'était vraiment dur. Non mais oui, c'est sûr, hein, c'est sûr que c'est intéressant, hein, mais le truc c'est que en fait ce qui est dommage, après oui c'est intéressant, mais le truc qui est dommage c'est que les critiques reviennent un peu, c'est un peu les mêmes qui reviennent, tu vois, les critiques. Ça, on commence à en avoir fait le tour d'un point de vue, enfin, des problèmes. Mais bon, je pense qu'il y aura sûrement des trucs qui nous étonneront encore. Oui, c'est vrai qu'il y a censé avoir de l'orage ce soir. Enfin, pour moi en tout cas, je vais en avoir vers 1h. Du coup, je pense qu'on va se démerder pour finir les lives avant 1h quand même. Je suis sur serveur anglais où se trouvent les gens les plus mignons et gentils de la planète. Tous les jours, je reçois 3 milliards de messages qui t'encouragent évidemment en me connectant. Oh, c'est trop pipou. C'est beaucoup trop pipou. Oh là là, c'est beau l'amour. La love, le love. C'est très bien le love. Par contre, mes bitrates jouent encore au yo-yo, c'est pas drôle.
Je sais pas si je ferais pas mieux de faire un. Attends. En même temps, je suis en 404. En même temps, j'étais en 1080p. Peut-être que ça a bouffé un petit peu ma connexion. Peut-être que ça a bouffé un peu ma connexion. Aujourd'hui, ce soir, dans le café MKTV numéro 50, je me suis dit soit on parle des waifus, soit on parle un petit peu de Dragon Ball, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le Goku Day, et donc ça pourrait être intéressant à la limite de parler un petit peu de cette œuvre incroyable qui est Dragon Ball, en long en large, vraiment en parler dans tous ses coins et recoins et contre-recoins et contre-recoins. En sachant que de toute façon on abordera le débat des waifus un jour ou l'autre. Oui, oui, oui. C'est ça. Non mais c'est chiant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi j'ai 157 de bitrate? Au scu. Hier soir c'était bien quand on a maté de la merde. Mais là c'est... Là c'est la cata. Peut-être que si... Non attends, tais-toi. Peut-être que c'est le live Nintendo qui me bouffe trop de conneries. Mais non, mais même pas. Les bitrates, c'est même pas ma faute, en fait. Peut-être que là, ça ira mieux. Dragon Ball, c'est pas mon terrain, ça. Oh, merde. Ah oui, bon, c'est sûr que si on est sur un stream où les gens ne connaissent pas Dragon Ball... Ah, c'est juste que t'es pas fan, d'accord. Bah, c'est quand même le Goku Day, hein. C'est quand même... C'est quand même important. Le Goku Day. Ah, ça y est, les bitrates remontent. En fait, je pense que c'est potentiellement le stream Nintendo qui me faisait beaucoup trop laguer. Je pense. À voir. À voir comment ça va se démerder. Si les gens sont pas du tout chauds à parler de Dragon Ball, moi, je vais pas forcer, hein, vous savez... Le but, c'est quand même de débattre et de partager des anecdotes et tout. S'il n'y a pas d'anecdotes, comment faire? Je connais et je suis quand même de... Je suis quand même de loin, mais je suis pas encore... Enfin, d'accord. Je comprends. Je comprends, je comprends. Alors, attendez. Alors, du coup, fond d'écran violet dégradé. Parce que si on fait un truc waifu, il faut quand même qu'on ait un setup. Qu'est-ce que je peux prendre comme fond dégradé un petit peu joli? Alors, je rappelle que je compte faire les waifus et les husbando. Ne vous en faites pas, il n'y aura pas de jaloux. Hein, il n'y aura absolument pas de jaloux. Faut pas croire. Est-ce que ça, c'est un beau fond? Ça, c'est peut-être un meilleur fond. Alors, attends. Je vais mettre violet. Violet. Ah ouais, est-ce qu'il y a un waifu? Ouais, mais non, mais... attends. Non, mais ça voudra dire... Est-ce qu'il existe un waifu tier list? Oh putain, il y en a un. Non, mais les tier list, il y a tout qui existe, en fait. Oh! All Nintendo Girls Official Waifu Wars. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est maléfique, hein. Il se passe des choses terribles dans le café du MKTV. Hein. Oh, ah ouais, non, mais je connais pas les 3K. Oh non, c'est des filles obscures. Mais non, moi, ce que je veux, c'est pas classer les meufs. C'est juste vous partager celles qui sont pour moi top méga tiers, c'est tout. Hein. C'est pas... Comment ça, il y a live si j'avais fermé le lien? Non, 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 mais je fais pas de tier list. Je fais pas de tier list. Attends, si j'avais fermé l'onglet hier soir ou que j'avais pas glissé dessus sans faire exprès, je l'aurais pas vu. Non, mais c'est fou. Mais vous traînez jamais sur Discord. Vous avez pas une alerte? Parce que moi, mais à chaque fois que j'ai... À chaque fois que...
enfin quasiment à chaque fois que quelqu'un stream dans mes abonnements, mais j'ai une notif sur mon portable ou par mail ou je sais pas, je mets sur Twitter, je le tweet, enfin c'est quand même terrible. Comment vous faites pour esquiver mes 5 ou 6 annonces que je poste pour dire que je live? Oui, Moquette ne met jamais everyone sur Discord quand il y a un salaire, de vrai pourtant. Ouais, non mais le truc, c'est que je trouve ça relou, parce que en fait, le truc, c'est que je fais des lives régulièrement. Et du coup, je trouve ça relou. Bon, après, les gens peuvent désactiver le everyone s'ils veulent, mais... Quoique, je sais même pas si tu peux, ça. Mais c'est vrai que je devrais, mais je sais pas, moi j'ai trop de pudeur, je me dis, enfin, vu le nombre de fois que je stream, c'est relou quoi. Non, moi Twitch ne me donne plus certaines notifs et Twitter refuse de toutes mes données aussi, mais les gens peuvent les activer, ouais. Ouais, bah il serait peut-être temps de se poser les questions, Pokéa, sur ton système qui a l'air apparemment très très chelou et complètement défaitiste. À un moment donné, voilà. Si tu commences, comment dire, oui, il marche pas ton crayon? Bah pas trop, non, il marche une fois sur deux. Ah bah il serait peut-être temps de faire des choses quand même. Attends, elle est où la date quand même, qu'on laisse la date? Sur merde de Pokémon, alors à part ça. Les mères de Pokémon! Mais ça n'a aucun sens! Mais il y a tant de mères que ça dans Pokémon! Oh, mais quelle horreur! La chair à Everyone sur Discord est très gênant après. Bah, c'est pas gênant, non, parce que ça sert à ça. C'était sur un Discord, ça sert à ça, hein, à la base. Mais c'est juste que, ouais, je sais pas, j'aime pas ramener. Mais oui, non, c'est sûr que je devrais le faire. Vu que vos 10 milliards de notifs, vous voyez pas. Vous êtes pas foutu de voir quand il y a une notif dans un salon ou quand je lance un live. Donc oui, je pense que je vais. Voilà. Alors, attendez. Parce que j'avais lâché une petite liste. Je vous avais un petit peu préparé le machin. Alors, le but, c'est pas de faire qui sont les meilleurs. Hein. C'est juste de vous partager les waifus de la vie, en sachant que ça ne peut être... Enfin, je suppose, parce que je pense que c'est ça ce qui détermine waifu. On est bien d'accord que waifu, ça désigne des personnes... Bon, déjà, sûr, des personnages fictifs, mais qui sont issus d'œuvres... comment dire... Enfin, j'ai pas envie de choisir une actrice, tu vois. Genre, pour moi, c'est juste personnage de jeux vidéo, d'anime, de manga, de BD, des trucs comme ça, quoi. Je me dis, waifu pour des séries, enfin, avec des vrais humains, tu vois, je trouve ça un peu bizarre. La mère de Soleil et Lune, oh. Non, mais calmez-vous, on va pas commencer à juger. Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Donc, on est bien d'accord que ça ne compte... On compte pas les... On compte pas les actrices, enfin les personnes de la vraie vie. Ça, pour moi, ça compte pas. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre. Non, mais ça désigne plus le terme de waifu. Alors, attendez. Alors, waifu, c'est assez... en fait, waifu, ça veut un peu tout et rien dire. Salut, Joycoon, ça va? Ça veut un peu tout et rien dire parce que il faut que ce soit quand même un personnage... qui t'attache, que ce soit au niveau du physique ou que ce soit au niveau du caractère, tu vois. Genre, pour moi, une meuf qui a un physique incroyable, mais qui par contre au niveau de son histoire ou de son caractère ou quoi, c'est nul, je peux pas considérer ça comme waifu. C'est absolument terrible. Non mais oui, mais encore une fois, une énième fois, le but ce n'est pas de classer des waifus, donc c'est pour ça que je vais pas dans une tier list, hein, c'est parce que le but c'est pas du tout de les classer. Le but, c'est de montrer juste les waifus de ma vie. C'est tout. Mais mon but, c'est pas de les classer ou de voir plein de meufs dont j'ai rien à foutre. Ça ne voudrait rien dire. Elle est où ma souris? Elle est là. Alors, attendez. Pourquoi je trouve pas d'image? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'elle est en PNG, elle? Mais putain, mais c'est compliqué de mettre en PNG. Tét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 
Ça, c'est pas du PNG. Est-ce que ça, c'est du PNG? Dis-moi que t'es du PNG. Dis-moi que t'es du PNG. Et bah voilà, j'attends comme une merde que l'image charge. Parce que ma connexion est incroyable. Ibuki. Ibuki Miyoda. Je la connais pas. Enfin, je sais plus qui c'est. Tu me... Ah non, si, je crois que je sais. Attends, ça c'est PNG ou pas? Putain, c'est toujours pas PNG. Non mais c'est incroyable. Pourquoi je trouve pas d'image en PNG? Incroyable. Bon, alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais chercher autrement. Type, c'est clipart, je crois. Voilà. La guitariste, tu vois. Ah oui, ok. Oui, je vois. I see. Alors, est-ce que ça, c'est du PNG? Même pas. Mais putain, mais... Oh, les gens, ils sont insupportables. Je trouve ça insupportable, les images au format PNG, mais qui ont un fond. Bon. On va prendre ça, parce que sinon, je vais mettre 1000 ans à trouver. La collection de Moketo. En fait, non. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Le truc, il me dit ouais, t'inquiète, je vais te faire marcher ce soir. Ton live, ça va être tranquillement. En fait, non. Mais putain, il est. Ah, voilà, c'est là. J'ai trouvé. Voilà. Alors, première waifu à mes yeux. Voilà, Rukia Kuchiki, parce que c'est clairement la badassitude, elle est mignonne, elle a un cœur grand comme Pokémon Heart Gold. En vrai, je vais éteindre parce que ça me nique les yeux, la lumière, je suis désolé. Donc voilà, déjà, je mets Rukia parce que Rukia, c'est la vie. Rukia, c'est clairement la vie. Mais comme on est toujours, oh, mais quel enfer cette image. Attendez, parce que non mais attends, mais si je galère à chaque image, on n'est pas sorti de la verge. Hein. Bon, ça c'est bon. Putain, je trouve pas. Putain, je trouve pas, ça m'énerve. Voilà la fenêtre. Linani Moquette. Ah oui. Oui. C'est bien ce qui m'a fait objet pour ma présentation. Oui. Linani, c'est une waifu aussi. Mais on n'y est pas encore. Enfin, mais c'est vrai que oui, je compte la mettre. Mais tant qu'on est toujours dans Bleach, les gars, Yoruichi. Les gars, Yoruichi. Alors d'ailleurs, non mais. C'est. Bah, putain, c'est chiant. C'est chiant, je peux pas en parler parce qu'il y en a qui ont pas vu. Qui ont pas fini. Qui ont pas fini Bleach. Donc je peux pas en parler, mais Yoruichi dans le dernier arc. Aïe. C'est un délire. Hein. C'est vraiment un délire. Mais non, mais Yoruichi. Ah, Soifone, je suis beaucoup moins fan. Vraiment beaucoup moins fan. Je suis pas un grand friand d'elle. Mais en tout cas, pour Bleach, bon voilà, deux waifus dans Bleach. Juste dans Bleach. J'aime bien aussi Riruka. Dans l'arc Fullbring. Mais son caractère me saoule un peu. Donc voilà, elle est mignonne, mais voilà, sans plus. J'aime bien aussi. J'aime beaucoup aussi, mais c'est pas des waifus, mais j'aime beaucoup aussi Nemu. Mais ça, c'est que d'un point de vue design, en fait. C'est pas trop dans le personnage. Mais Nemu et puis... Oh merde, comment elle s'appelle? La Vizard, la...
C'est. Putain. C'est pas Nanao, c'est l'autre. Oh, je sais plus. Mais bon, voilà. Voilà. Alors, bien sûr, oui, effectivement. Il y a l'Inali, parce que l'Inali. L'Inali, elle est tellement, tellement mignonne. J'ai dû vite m'absenter, du coup bonsoir pour de bon, et je vois que ça parle de waifu qui n'est évidemment pas dans le... Ah bah oui, on parle de waifu, exactement. Eh bien, re à toi, Joekun. Est-ce que je vais trouver des bons PNG? Parce que ça, c'est la question que tout le monde se pose. Putain, je trouve des PNG dégueulasses, quoi, mais... Ça me casse les reins. Oh, elle est... Ah ouais. Bon, on va pas faire le difficile. On va pas faire le difficile sur les tenues et tout, hein, du moment que le personnage est présent et représenté. D'emblée, ce que tu mets, et Matsumoto. Ouais, c'est vrai que Matsumoto aussi, elle est pas mal. Pas assez mise en avant, mais pas mal. Hop, l'Inali, bien sûr. Putain, l'Inali, c'est Bae, hein. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Ses combats, ils sont tellement badass. Enfin, l'Inali, on dit oui. L'Inali, on apprécie. Je sais pas si. À un moment, j'ai réfléchi à Bulma. Parce qu'il y a quand même des fois où c'est un top ou juste une sélection. Bah, c'est les deux. C'est une sélection pour faire un top. Enfin, je mettre toutes celles que je considère comme des waifus. Ouais, je me suis demandé pour est-ce que je mets Bulma, mais le truc c'est que Bulma c'est compliqué parce que c'est un personnage de fou, mais il y a des moments elle est pas dingue hein, au niveau du caractère. Il y a des fois son caractère et son et niveau du design c'est trop stylé, mais alors des fois ça l'est beaucoup moins quoi. Putain, je viens de recevoir une vidéo de chiens qui sont habillés comme des humains. Voilà. J'espère que vous kiffez ce moment. Très bien. Parce que je dirais que Bulma au début c'est waifu, après un peu moins quand même. Bon, tu me diras, elle a un caractère quand même sacrément horrible. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Et parce que j'avais commencé à faire une liste. Mais je pense pas qu'elle soit. Ah oui, c'est vrai! Ah oui, c'est vrai, putain! Alors. 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 Après, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, c'est dans une certaine période, mais j'ai quand même une waifu aussi dans Star Wars, que je vais la mettre pendant que j'y pense, parce que quand même, attends, où est-ce que je peux trouver une stylée? Parce qu'en plus, c'est pas tout le temps, c'est vraiment dans une certaine mesure. Ah mais putain, mais il y a des moments, il y a des trucs, elle est... Oui, non, mais je vais faire un everyone hein, en vrai maintenant, vu que sinon ça ne... Sinon, vous voyez une fois sur deux, c'est un peu compliqué. Putain, mais des PNG, ça existe ou pas dans votre vie? Ah ouais, mais là, elle est pas belle. Putain, mais les seules images d'elle en PNG, c'est pas beau. On avait dit pas l'exactrice. Ah, mais ce n'est pas une actrice. C'est bien là le... C'est bien là le gouac. Putain, mais je trouve pas d'image où elle est cool en PNG. Ah, ça casse les reins. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Salut Hot, ça va? Oh non, putain, ça me l'a pas mis en PNG. Oh, je vais casser des reins. Oh,
Oh, je vais casser des bouches. Je vais casser des bouches. Et pas qu'une. Bon. Bon, tant pis. Bon, elle est pas du tout, elle est pas du tout à son avantage, je trouve, sur l'image. Bah écoute, ça va. Mais bon, personnage quand même. Le personnage d'Ahsoka quand même. Moi qui ai un faible pour les combats de Jedi et tout, mais alors elle. Son histoire, elle est trop stylée quand elle est en mode badass et quand elle commence à être... Au début, elle l'est pas trop du tout de waifu. Mais alors après, quand elle maîtrise de ouf l'art Jedi et qu'elle se bat avec ses deux sabres et tout, mais alors là... Là, c'est découpement en deux. Hein. Découpement en deux, Ahsoka. Comme tu veux. Ah ouais, non, mais avec Anakin, c'est trop mignon. Enfin, c'est trop intéressant. Surtout quand tu sais, en fait, quand tu sais comment ça se finit, c'est tellement intéressant de voir tout l'apprentissage qu'il lui a donné et qu'au final... Moi, j'en suis pas encore au... Parce que je sais qu'on la voit dans Rebels. J'ai tellement, tellement hâte du moment où je vais la revoir et quand elle aura appris, enfin qu'elle aura appris pour Dark Vador et tout. Ça va être tellement intéressant. Faut que je fasse gaffe en fait. Est-ce que c'est du PNG ça? Non, c'est pas du PNG, très bien. Bah, niquez vos morts. N'hésitez pas, hein, si vous avez des waifus qui vous viennent en tête, à le mentionner en commentaire pour que nous puissions en débattre, pour que je puisse vous dire non, c'est dégueulasse, ou oui, ça passe. C'est le mec horrible. Est-ce que ça, c'est un PNG? Oui, c'est un PNG. C'est un PNG. Bon, alors, bien évidemment, hein, je comprends même pas pourquoi je l'ai pas mis dans les premières, mais bien évidemment, Nami, hein, il va mettre Nami en dernier, vous allez voir tellement il la kiffe. Yes! Non, je ne la mets pas en dernier, quand même. Respectons-nous. Bon, elle a peut-être des tenues... Eri, non, s'il vous plaît, jamais ne faites pas ça, hein. Eri, mais non, pas Eri, putain. Pas Eri. Oh là là, mais... Eh, vous imaginez, hein, l'arc de Wall Market avec toutes celles-là qui sont... Bref. Qui c'est qu'il y a d'autres? Ah non, mais pour le maillot de main, j'ai pas fait exprès. Hein. Moi, j'y peux rien. C'est une amie, elle est tout le temps. Elle a tout le temps une tenue comme ça, là. Quand j'ai voulu taper PNG. Hein. Ce n'est pas ma faute. S'il vous plaît. Ne m'en voulez pas. S'il vous plaît. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je vous jure. Est-ce que y a une waifu dans Naruto? J'ai tendance à dire, à vouloir dire Ino, mais Ino c'est pur physiquement quoi, genre Ino Shippuden c'est compliqué, hein. Mais après elle est pas intéressante quoi, ça, les personnages féminins dans Naruto c'est une horreur, à quel point c'est pas bien développé, Tenten. Après dans One Piece, non, en vrai à part Nami, j'en ai pas trop en vrai. Mais après, ça, c'est un peu le problème aussi de Oda, qui y a trop de filles qui se ressemblent. Donc, du coup, c'est un peu compliqué d'en faire ressortir d'autres du lot. Donc, je pense que One Piece, il n'y a que Nami. Naruto, je pense pas que j'en ai en vrai. Parce que Ino, ouais, à part physiquement, où vraiment ça déboîte au niveau de la DA, je trouve pas qu'il y en ait vraiment. Je trouve pas qu'il y en ait vraiment. Boum, 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 boum.
I want you in my room, let's spend the night together, I'm all in my forever. Aparino Hinata, j'ai oublié le nom de celle aux cheveux bleus. Bah, Hinata. Tu voulais dire Aparino et Sakura, non, plutôt? Si, Shaku, oh wait. C'est vrai. Est-ce que ça c'est un PNG? Bien évidemment, hop, il y a la petite Ochako. Oh non, mais c'est mal détouré, putain. Putain, c'est mal, c'est détouré avec le cul. Non, attendez. En boucle de la gaz. Ah, Conan. C'est vrai que Conan, elle est stylée. Non, en vrai, Conan. Ouais, c'est vrai que Conan, elle est stylée. C'est pas ma waifu, mais c'est vrai que. C'est vrai qu'elle est. Elle est trop stylée. Parce qu'en plus, niveau écriture, elle est quand même assez cool. Bon, c'est rien d'extrêmement dingue, mais ça reste quand même très très... Oh, bébé! Je viens de tomber sur une image de Ochako enfant. Dans Fairy Tail, je sais pas. T'es marié. Ouais, t'es marié, bof. Non, mais c'est pareil, hein, moi, c'est... S'il y a pas un minimum d'écriture derrière très intéressant, je peux pas... Mais c'est vrai que oui, t'es marié, il y a du potentiel, mais non, c'est pas ma waifu. Mais je comprends qu'on puisse la main. Putain, qu'est-ce que ça me saoule, les shipping Ochako Bakugo, quoi. Genre, tu peux pas faire plus opposé comme personnage, je pense. Putain, je trouve pas de PNG beau de Ochako. Bon, tant pis. Je crois que c'est détouré avec le cul, mais tant pis. Erza pour le côté badage, mais je sais pas plus. En vrai, bon, c'est chiant qu'elle finisse tout le temps à poil. Mais franchement, Lucie. En fait, Lucie. Lucie, tu lui enlèves ces phases où elle est mise à poil gratuitement. Elle est super cool. Hein. Genre, son écriture, vraiment, elle est intéressante. Et. Et puis elle est trop belle, quoi. Donc en vrai, je serais tenté de mettre Lucie. Mais parce que vraiment, quand tu extrais les moments où elle est mise à poil par Natsu et tout, elle est vraiment super stylée. Hein. Enfin, dans sa façon de combattre et tout, ses invocations, son écriture par rapport à sa famille et tout, j'avais bien aimé, quoi. Lévi aussi. Lévi, en vrai, c'est qui Lévi déjà? C'est vrai que Lisanna aussi. Elle m'éteint tellement. Lucie, une chaudasse. Je trouve pas. En vrai. Bah, ouais, si, ouais. Il y a des moments où ça fait partie de sa strat de séduire. Mais pareil, tu mets ça à côté. Enfin, vraiment, t'enlèves toutes les notions de fanservice qui vraiment sont gratuites et qui servent à rien. Moi, je trouve que. Enfin, je trouve pas que son caractère, tu vois, il soit si chaudasse que ça, quoi. C'est pas comme... Enfin, moi, je trouve personnellement Jubia beaucoup plus chaudasse par rapport à Grey, quoi. La Goagagil. Ah, Lévi, oui, pardon, oui. Putain, moi, je l'appelle Lébi, enfin, R-E-B-Y, du coup, j'avais pas compris. Oui, voilà, Jessie, à la limite, je peux comprendre. Mais Lucie, oui, en vrai, je peux comprendre aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où, bon... C'est un peu compliqué. J'ai dit celle que je trouve là, c'est là. Ouais. Bah Erza, pas mal. Elle est vraiment stylée aussi, mais c'est un peu un perso assez, un peu redondant, je trouve. Au bout d'un moment. Putain, pourquoi c'est détouré aussi avec le cul? Merde.
Oh là là, mais oh là là, mais déjà là, il y a une telle bande là, les vrais Omura. Omura, attends, Omura, c'est qui déjà? Ah oui, Omura, ben oui, bien sûr. Putain, ah moi j'étais branché Fairy Tail. Ah oui, non mais Omura aussi, hein. Oui, c'est waifu. Hein. Oui, Dead and Zero, oui. Moi j'étais branché Fairy Tail, je t'en bats. Attends. La nouvelle tête de Lucie, ah bon? Elle a une nouvelle tête? Elle change de tête, tu veux dire? Incroyable. J'ai trouvé une meilleure image pour Lucie parce que celle-là, elle est tellement pas bien détourée. Par contre, Yoruichi, je vais un peu baisser son volume parce que elle est un peu grande par rapport aux autres. Tac. Merde, j'arrive pas à trouver. Elle est où, Lucie? Ah oui, tu parles de l'animé, oui, bah oui. Bah ça, après, oui, c'est la DA, quoi. Ça, c'est la DA, mais c'est pas de la faute du truc. Bon, après, tu me diras, en manga aussi, elle change beaucoup. Enfin, mais ça, c'est le style de l'auteur qui a changé, quoi. Attendez. Oui, je pense que j'aurais pas trop assez de place. Mais vous en faites pas, hein, on trouvera de la place. Vous en faites pas, hein, c'est... Toujours pas mis Samus. Mais Samus, je sais rien. Oui, elle est magnifiquement belle et tout, mais je connais rien du perso. Donc je peux pas la mettre. Je peux pas la considérer waifu. Hein. Enfin, je connais rien, non, c'est pas vrai, mais je trouve pas là, trop d'intérêt. Parce qu'en plus, en vrai, c'est horrible parce qu'on n'a pas encore mis les meufs, on n'a pas encore mis Pokémon. Hein. Parce que Pokémon, c'est horrible. Pokémon, ça va être horrible. Alors, oui, Omura. Omura. Pokémon, ça va être horrible. Là, par contre, Pokémon, ça va déborder. Ça va déborder. Je pensais que je... Bah, en vrai, oui et non, parce que je connais pas grand chose. Hein. J'ai pas retenu beaucoup de choses de putain. Par contre, Omura pour trouver en PNG, ça va être compliqué, hein, parce qu'elle a pas de render. Elle a pas de render officiel. Ça, c'est PNG ou pas? Ah. Oh non, mais Pokémon, ça va être un enfer. Putain, Omura PNG, ça va être compliqué. Attends, si je fais party clip art. alors que moi, à aucun moment, je mets Aurore waifu. Hein, je vous spoil. Je ne la mets pas du tout dedans. Bon, j'ai trouvé. On va prendre celle-là. Elle est tellement fanservice d'ailleurs cette scène où elle met cette tenue Omura. Genre ça dure bien un chapitre entier où genre sa punition c'est de se déguiser en tenue. Ah mais c'est des tours avec le cul ça aussi. Un petit peu. Bon. De toute façon je pense pas que je vais trouver un peu mieux donc... Putain mais elle est vraiment des tours avec le cul par contre. Hein. Bon bah déjà ça rentre plus. Hein, je parle du cadre. Hein. Oui, il y a la différence animé-jeu, c'est vrai. Je réfléchis d'un point de vue manga, s'il n'y en a pas d'autres. Ah si, il y a un perso, mais... Ah, ça va être compliqué, parce que... Attends. Ouais, voilà, ça va être compliqué, parce qu'il y a Emiri de Ergear que j'adore trop.
Mais pareil, elle en PNG, ça va être très hard. J'adore Emiri, mais... Ah ouais, mais je vais pas trouver... Elle est tellement inconnue au bataillon que... Bah c'est compliqué parce qu'elle a pas beaucoup de render PNG, enfin elle a pas beaucoup de... Ah ouais, je trouve rien. Je trouve rien du tout en image PNG. C'est terrible. Bon, si, il y a celle-là en vrai. Il y a celle-là. Elle est pas trop à son avantage, mais je pense que c'est la seule chose que je peux trouver dans l'immédiat. Putain, mais il n'y a plus de place. Faut que je les réduise toutes de, de taille. Oh là là. Mais les gars, Oscu. Oscu. Les gars, c'est compliqué. Hein. Va falloir que je les diminue. Linali. Rukia. Nami. On va avoir un véritable mur de waifu. Non mais c'est ça, hein. Ça devient compliqué là. Ça devient compliqué. Attends, Ahsoka elle est où sur le truc? En vrai, c'est, sur... c'est Ahsoka aussi qui prend de la place avec ses sabres. Tac. Nami, tu te décales un petit peu, s'il te plaît, vers ta pote. En vrai, je suis sûr de toute façon que d'ici la fin, il y a plein de personnages féminins auxquels je... Enfin, waifu auxquels je vais pas avoir pensé. À mon avis, hein. J'avoue que Lucie. Putain, Lucie, tu prends de la place aussi, hein, ma grande. Alors, Emiri, t'es où? Bon, je vais la laisser là parce que, comme on voit pas tout, du tout tout son corps. Au pire, j'en mettrai derrière aussi parce qu'il y a de la place en haut. Attends, on en était où? On en était où? On en était où? Bon, bien évidemment, comment passer? Comment passer à côté de la dernière en date, hein. Bon. Je pense que voilà, il n'y a pas à débattre 36 000 ans. Tifa. 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 Je réfléchis, est-ce qu'il y en a d'autres? Ben non, pas juste pour ses boobs. Oh, ça suffit de penser avec son cul, avec sa... attends, non, bah non. Penser avec son cul, c'est un peu bizarre. Je réfléchis, est-ce qu'il y en a d'autres avant de passer à... Ah, Pokémon, ça va être horrible. Pokémon... Enfin, en vrai, non. Peut-être pas si horrible que ça. T'as oublié Sonia. Comment ça, Sonia? Mais je suis pas encore à Pokémon, là.
Ah ouais, il y a. Ah ouais, mais elle, ça va être compliqué. Je sais pas si je la mets, mais. Oh, comment elle s'appelle? Iraragaji, je sais plus. Mais l'héroïne, entre guillemets, de Bakemonogatari. Mais le problème, c'est que dans l'anime, je suis moyen fan de son design. Moi, c'est surtout la patte de O'Great que j'adore. Donc, du coup, je pense pas que je vais. Enfin, vraiment, je voudrais la mettre waifu. Mais le truc, c'est que c'est surtout le design du mangaka, quoi. Donc en soi, c'est un peu compliqué. Et puis, à mon avis, je vais galérer à la trouver en PNG. Senjugaala, voilà, c'est ça. Putain. Je prends tous les FF, c'est pas dans un vampire que Bakemonogatari. Ah, peut-être, je sais pas. Je suis très très mauvais en FF. Je connais pas grand-chose. C'est fou parce que Code Lyoko, j'ai pas de waifu. Genre, je les trouve très belles, Yumi et Aelita, mais je suis pas au point de les mettre waifu. Pas au point du tout. Let's play Dynamite. Ah si, il y a quand même. Attendez. Quand même. Ouais, faut la famille, toi. Bah, j'ai bien Minami, donc oui. Midona, quand même. Je ne sais pas vraiment si c'est. Bon, c'est pas être zoophile, mais je pense que c'est pas hyper. Hyper sain quand même, mais je m'en bats les couilles. Midona, c'est quand même la daronne. Où est Mélia Moquette? Mélia? Comment ça, Mélia? Ouais, c'est vrai que Lightning, elle est trop stylée. Elle a l'air très, très, très stylée. Putain, c'est vrai qu'FF13. FF13, c'est vraiment aussi une série sur laquelle je suis passé à côté. Je suis deg. Parce que j'aimerais beaucoup. Ah oui, Mélia de Xenoblade, oui. Oui. Non, non, non. Non, non, ça ira. Mais c'est vrai qu'elle est marrante. Elle a un style intéressant. Mais ouais, non, FF13, c'est vraiment un des trucs aussi sur lequel je suis passé à côté. Mais ça prendrait tellement de temps de les refaire, quoi. Oula. Ça prendrait tellement de temps de les refaire, de les faire, que j'ai pas trop trop la foi. Bon, après, c'est compliqué. C'est compliqué parce que en vrai, elles ont toutes un potentiel de waifuitude. Mais je vais quand même mettre Anne. Parce que Anne, quand même. Je vais finir en marathon FF. Ah mais ça devient bizarre si je les mets comme ça et que ça lui coupe le buste. Ça commence à faire bizarre. Ça fait beaucoup là, non? Hommage à ceux ici qui n'ont pas encore joué à Toilette Princesse. Il y en a qui n'ont pas joué à Toilette Princesse ici même, sur ce stream? Oh là là, mais il y a beaucoup trop. Là, ça fait tourner la tête quand même. Là, ça fait.
Il commence à y avoir un peu trop de... commence à avoir un peu trop de... Ah bah moi aussi Joy-Con, c'était mon premier Zelda que j'ai fini. Enfin, le premier que j'ai acheté, c'était Wind Waker, mais je l'avais pas, je l'ai fini après Twilight Princess. Twilight Princess, c'est le premier Zelda que j'ai fini de ma vie. Qui sait qu'il peut y avoir d'autres? Dans Gintama, j'ai pas trop de waifu. Ouais, non, je n'irai pas jusqu'à waifu. Je pense que c'est déjà pas mal. Pokémon, c'est compliqué. Hein. Pokéa, c'est compliqué. Hein. Pokémon. C'est trop compliqué. Hein. Il y en a trop dans Pokémon. Mais là, c'est plus d'un point de vue design, par contre, en vrai. Oh, par contre, je viens de voir sur mon étagère. Il y a quand même Vaiana qui est peut-être la seule ma seule waifu Disney. Ou Moana hein, pour les intimes, bien évidemment. Oh non, mais c'est le bordel. Mais franchement, Pokémon. Ouais, non, mais Anne, je la trouve, ouais, je la trouve vraiment stylée, Anne. Genre, sa relation avec sa meilleure amie, genre, à quel point elle se sent. Elle s'est sentie responsable et tout. L'histoire comme quoi elle s'est souvent sentie discriminée pour sa coiffure et tout, machin. Enfin, ce qu'elle a été prête à faire, quand même. Enfin, c'est quand même chaud, hein, ce qu'elle a été prête à faire pour sa meilleure amie. Enfin, oui, non, je trouve vraiment Anne trop stylée d'un point de vue écriture quoi. Genre sa bonté et son esprit de sacrifice, et en même temps elle peut être badass. Non mais Pokémon ouais. En vrai Pokémon j'ai limite pas envie de le faire hein, parce que il y a attends en vrai. En vrai, comme ça, à vue de nez, il y a Serena, il y a Inezia, il y a Morgane. Mais Morgane, plutôt du côté Hard Gold, je crois. Je sais plus. Il y a Sonia, il y a Nessa, ça qui s'appelle. Il y a la championne Roche dans Soleil et Lune, il y a Pimprenelle. Il y a la protagoniste de 5G. Il y a Sarah dans Aqua Omega là. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. C'est un enfer sans nom. C'est un enfer sans nom. Je suis sûr, j'en oublie, c'est sûr. Il y a Cynthia, il y a. Ah non, non, en vrai, les gars, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Team Echo ou Team Tuco? Moi, je suis Team Tuco, moi. 100%. Ouais, non, Pokémon. Faudrait une émission entière sur ça, hein, les gars. Hein. Je pense. Hein.
J'ai vu d'autres Courtenay dans Omega. Ah, c'est celle Magma, c'est ça? C'est Magma? Ah oh non, écoute, j'ai un peu trop de mal avec sa coiffure et ses vêtements. La chanson secrète. Oh putain, il y a... Mais oui, il y a... Il y a Tamaki aussi, putain. Je viens de voir un trailer passer, là. Il y a Tamaki. Non, c'est Maki, pas Tamaki. Oh là là, mais quelle idée aussi de mettre Maki et Tamaki dans un même manga, quoi. Ah ouais, mais je... Putain, ça va être galère de la trouver en PNG. Ah, peut-être pas. Ah, mais ça, c'est un dessin pas beau, ça. Oui, non, Tamaki, bon. c'est un peu horrible. Ah, je trouve pas d'image cool. Je trouve pas d'image cool. Non, mais ouais, Pokémon. Pokémon, vraiment, c'est compliqué. Poisseau. Fire Force aussi, c'est un peu compliqué, mon jugement, par rapport à cette œuvre. C'est très particulier comme manga. Enfin, c'est pas que c'est particulier, mais c'est que ça va vraiment en montagne russe, mon avis, dessus. Putain, mais toutes les waifus qu'il y a là déjà, oh là là. C'est terrible. C'est terrible. Ah, faut pas que j'oublie la surprise aussi. Je voulais vous montrer. Ouais, je sais pas. Ouais, faut que j'y pense, je sais pas. Je voulais vous montrer un truc, mais. Ah, je sais pas, je vais arrêter. Je vais arrêter, arrêter. J'aime beaucoup. Ah, oh, je sais pas si je la mets. Ah, oh, je la mets peut-être pas au rang de waifu. Mais j'aime beaucoup. Oh putain. Mais moi, mon problème des noms, je crois que j'ai un cancer des noms. La sniper dans SAO, là. Ça commence bien, quoi. Le mec qui voulait la mettre waifu, mais. Emma. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je vais écouter par rapport à... Sinon, voilà, sinon, merci. Arigato gozaimasu. Sinon, je l'aime beaucoup aussi. Je pense pas que je la mette waifu, mais sinon, très très cool. Oui, c'est bien son nom, oui, sinon. J'ai réfléchi... Faudrait que j'essaie. Putain, c'est quand même ouf, hein, parce que... J'ai Chinon. Oui, j'ai Chinon en figurine. En vrai, j'ai pas mal de... J'ai des petites... Non, ouais, en vrai, non, si. Si, quand même. Je viens de... Je viens quand même de repenser à la dernière, au dernier épisode. Bon, je vais quand même mettre Chinon. Ah, elle est trop stylée avec son design d'archer. Oh, est-ce que je mettrais pas quand même un design un peu classique?
je vais mettre celle-là. La symbiose, Poggers. En vrai, j'en ai pas mal de waifu en figurine. Parce que j'ai Serena, j'ai Shinon, j'ai Ochako, j'ai Nami. Bon, sur l'énorme tas qu'il y a, bon. Ah non, je les insulte pas, t'as, attendez. C'est un peu compliqué, mais... T'as, Tifa, en vrai... pareil, Tifa, c'est assez insupportable parce que... Elle doit avoir des milliards et des milliards de représentations, Tifa. Mais moi, il y a vraiment... Enfin, moi, vraiment, c'est celle du remake qui est ma base, quoi. Et le truc, c'est que je kifferais trop, tu vois, avoir une figurine Tifa, mais en même temps, mais oui, mais faudrait que ça coïncide avec le design du jeu, et ça, à mon avis, c'est compliqué, quoi. Sans tomber sur des figurines dégueulasses. Serena, tu la trouvais pas surcoté? Moi? Non. Tu confonds avec Gigi, je pense. Tu me confonds avec Gigi, je pense. Dans la série, elle est peut-être un peu surcotée, quoique pas tant que ça non plus, parce que c'est un des rares personnages féminins qui a eu autant de développement, même si le développement est peut-être pas fou, il n'empêche que c'est un des personnages féminins qu'on a reçu le plus, mais dans l'animé, peut-être, oui, je la trouve pas ouf, alors que tout le monde l'idolâtre, donc oui, dans l'animé, je suis d'accord, mais moi, je parle juste d'un point de vue design, hein, pour Serena, et puis pour son écriture dans le jeu. Mais oui, je la trouve un peu surcotée dans l'animé. Enfin, tout le monde en fait des caisses et tout, alors qu'elle a rien de spécial, c'est juste que les gens se sont rendus compte que, putain, un personnage féminin dans Pokémon qui est travaillé, ça fait bizarre. Je pense que c'est déjà bon là. Je pense qu'on a déjà une belle liste de waifu. Bon, après, j'ai tellement vu d'autres œuvres que ce serait compliqué de tous les mettre, mais... Oui, Flora aussi, oui. Mais il n'y avait pas, tu comprends, il n'y avait pas cette romance avec le héros, etc., etc., quoi. Et puis, d'un point de vue... Enfin, elle n'a pas mis autant de robes que Serena et tout, donc... j'ai un petit peu avancé, Joe-kun. J'ai un petit peu avancé. Je suis pas hyper loin, pas beaucoup plus hyper loin. En fait, j'ai joué même pas une heure tout à l'heure où j'ai avancé, j'ai battu plein de mobs, mais j'ai pas trop avancé. Ah, oh, XY, il y a 200% surcoté. À 200% surcoté, XY. Mais ouais, non, j'ai bossé un peu... j'ai pas mal bossé la chaîne, enfin, mes chaînes aujourd'hui. Genre, j'ai fait le Yoko Factory, j'ai bossé un autre truc, qui est du coup la surprise que je voulais montrer. Putain, et puis ouais, et puis je crois que c'est tout, en fait. J'ai même pas eu le temps d'écrire. Donc ouais, j'ai pas beaucoup joué. Moi, j'avance à 2 à l'heure mes jeux, mais parce que je fais plein de trucs en parallèle, quoi. Moi, il y a plein de gens qui me... Il y a plein de gens qui veulent me fumer parce que j'avance pas assez vite telle série ou tel jeu, mais les gars, déjà que de base, ça prend du temps d'avancer les trucs. Et alors, en plus, il y a que 24 heures dans une journée, hein. Il y a des amis avec qui parler, il y a des sorties à faire, il y a plein de choses. T'es déjà bien plus loin que moi. Ah, t'as le jeu, Pokéia ? Ah oui, c'est vrai, oui.
Oh oui, d'ailleurs, putain, j'ai kiffé. Bon, alors le clip est à chier, hein. Mais j'ai tellement kiffé le dernier opening de Pokémon. Enfin, je parle en termes du US. J'espère tellement que la version française va être cool. J'ai peur, hein, parce qu'en général, bon. Mais putain, ça fait depuis tellement longtemps que j'ai pas autant kiffé un générique Pokémon, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Genre depuis DP, je crois, j'en avais pas kiffé un comme ça, quoi. Oui, après, oui, par contre, oui, c'est assez autotune. Mais moi, j'ai pas trop de problèmes, moi, avec l'autotune. Quand c'est abusif, ouais, c'est un peu chiant, mais... Là, je sais pas, ça passe bien. Mais oui, c'est sûr que tu l'entends bien, l'autotune. Ce passage, je trouve trop bien. Avec l'instru aussi qui va bien. Ah, je kiffe de ouf, quoi. Voilà, c'était tout. C'était mon petit partage, ma petite confession. Putain, et tu vas arrêter de tomber, toi Pardon, excusez-moi, je m'énerve un petit peu. Ah oui, bah ça fait un bail que c'est court comme ça. Hein. Bah oui, ça fait un bail que c'est court comme ça. Et puis, y a, ça devient rare les versions longues dans les films. Parce que souvent, tu sais, ils mettaient. Ils mettent pas mal de fois le thème du générique en version longue dans les films, mais ça arrive pas du tout le temps. Ah ouais, non mais c'est compliqué, hein. J'espère vraiment, j'espère vraiment qu'ils vont bien le faire, parce que même dans Sun and Moon et dans XY, c'est chiant parce que en fait, enfin, je trouve, après c'est mon avis, mais je trouve que depuis XY, il y a un vrai écart. Tout le générique d'XY et de SM, je trouve, il y a un certain écart des fois entre la version anglaise et la version française. Genre les chanteurs et tout sont pas du tout calés pareil niveau tonalité et tout. Et du coup, ça me fait peur, quoi. Mais au pire, c'est pas grave, hein, je prendrai la version anglaise. Mais c'est sûr, à mon avis, que je réutiliserai la version anglaise pour un générique pour un let's play ou un truc. Parce que vraiment, je kiffe de ouf le... J'attends que ça sorte en version... Je sorte aussi... J'espère que ça pourrait sortir aussi en version encore plus clean. Mais c'est vrai que depuis l'opening 13... Même l'opening 13 de DP, j'en suis pas un grand fan. Hein. J'en suis pas un grand fan. Pour moi, c'est vraiment le... Même le 12, en fait, en version longue, j'adore, mais en version courte, moyen. Donc en soi, ouais, ça remonte. Hein. La dernière fois que j'ai vraiment, vraiment kiffé un thème français Pokémon, c'est limite peut-être la saison 11, hein, le dernier. On a plus notre chanteur. Bah ouais, c'est vrai, hein. T'imagines, il revient là, auto-tuné là. Tac, tac, boum, boum. Eh, si, la famille. Si, la famille. Faut que je demande s'il y a des gens. T'as vu, le trailer était épique. Bah écoute, chacun c'est. Non, franchement, je suis pas. Non, mais j'ai pas dit qu'il était mauvais, hein. Moi j'ai juste dit que je suis pas un très grand fan. Chanteur de GX, c'est vrai que c'est le chanteur de GX, putain, mais quel dieu.
Faut que j'avance ma putain de série pour que je commence à monter. Enfin, que je fasse une... Vas-y, je vais poser la question. Genre la fin, les vainqueurs de la ligue de Sinnoh. Je suis pas fan. Je suis pas un grand fan. Plus de waifu à proposer. Ouais, attends, je réfléchis. Je réfléchis, mais déjà, on en a fait un beau paquet. Je regarde mes jeux un peu et tout. Elle était très belle, la princesse de FF15, mais après, pas exceptionnelle non plus, d'un point de vue personnage. Parce que vraiment Pokémon... Ah non, Vivi, non, pas waifu, Vivi. Pas waifu. Vivi, c'est petite sœur, c'est grande petite sœur tiers, quoi. Vivi, je me vois pas Ken avec, tu vois. Je me vois pas en mode bavé dessus et tout. Je bave pas sur Vivi, mais je l'aime de fou malade, mais d'un point de vue amour fraternel, tu vois. On a pile un top 15. Ah ouais ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Moi, j'en lis 7. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ah non, 15, ouais, t'as raison. Mais Pokéya, il aime pas les écrits. Il aime pas quand les personnages féminins sont dévoués. C'est terrible. J'aurais préféré Estelle, là, de versus 13, malheureusement annulé pour FF15. Ah, je connais pas. Je connais pas jouer Kun. Il va clairement nous dire qu'il veut Ken ces cases-là. Ah non mais à un moment donné, bah oui. Enfin, je dis pas non, tu vois. Si ça existe, enfin si c'est des waifus, c'est que par définition, tu vas pas me dire que tu as une waifu et que tu veux absolument pas Ken avec. Ça n'a aucun sens. Je réfléchis, mais je pense pas que... Parce que Pokémon, vraiment Pokémon... Mais en plus, Pokémon, en soi, c'est piégeur, parce que Pokémon, c'est d'un point de vue design. Ça va pas forcément plus loin que du design. Donc, c'est compliqué. Enfin, c'est un peu malaisant, quoi. Ah oui, non mais je te dis, hein, moi Vivi, c'est pas waifu. Hein. Je l'adore de tout mon cœur, mais pas d'un point de vue waifu, d'un point de vue petite sœur. C'est plus sûr qu'Armina. Mais non, mais même pas, il y en a qui sont pas mineurs, mais... Putain, faudrait que je revoie... Là, c'est petit. Oula, tu vas mettre quelqu'un en colère si tu dis des choses comme ça. Non, mais écoutez. Je réfléchis si je peux en avoir d'autres, des waifus, mais... Quand j'étais tout petit, je bavais de fou sur Lola Bunny de Space Jam, et bon, ça, je sais pas si... C'est vrai qu'il y a à quoi. Est-ce que je la mets niveau waifu? Je sais pas.
Ah, quand même. Ouais, c'est vrai qu'à quoi quand même, hein. Ah, je sais pas. Ah. Je sais pas. Y a peut-être y a un truc qui manque un peu, mais j'avoue qu'à quoi ça aurait pu. Putain, mais il n'y a personne lundi en ville, quoi. Je vais juste traîner dans ma vie. Et puis c'est tout. Je vais marcher. En vrai, c'est pas grave, hein, marcher, ça fait du bien. De se balader. Moi, j'adore marcher. Juste marcher comme ça. Et puis. En plus, je voulais tchadi. Marcher, puis écouter de la musique. Et puis voir les gens un peu. Ça me fait marrer parce que c'est un running gag avec Samy. Genre, une fois, j'ai réussi à lui dire trois. Enfin, j'étais un peu pompette, tu vois. Et j'ai réussi à lui dire trois fois. Trois, quatre, trois fois en une heure. Ou un truc comme ça, que j'adorais marcher. Et du coup, c'est devenu un running gag. Genre, maintenant, je lui dis à chaque fois en mode au pif. Mais tu sais que moi, j'adore marcher. Salut Boukake, ça va? Coucou Hibou. C'est vrai que je suis un hibou. J'adore prononcer le H. Je suis un hibou. Mais du coup, voilà, au pire, s'il y a personne, c'est pas grave, je traînerai en ville. Je ferai très attention à ne pas m'approcher de trop. Stop, 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 tu dégages. Le mec est un peu violent, tu sais. Mais j'ai peur de voir trop de monde. On va marcher. Mais j'aimerais bien. J'ai vraiment peur qu'il y ait trop de monde lundi en ville. Il manquerait plus qu'il fasse trop beau, tu vois. Et alors là, à mon avis, c'est fini. Moketo qui part en voyage. Générique. Ok, t'adores marcher. C'est ça. Le running gag, ça va être vous qui êtes étonné à chaque fois, alors que je le dis à chaque fois. T'sais. Quoi, t'adores marcher, PogChamp? Mais c'est vrai que c'est vraiment devenu un running gag, quoi. Mais putain, c'est ouf, quoi. Y a personne qui est sur tour de l'équipage, quoi. Ça me désole. J'adore marcher. En fait, non. Mais si, si. Si, si, pour le coup, j'adore marcher. Non, mais c'est pas l'action de marcher que j'aime. Mais c'est juste être en contact de choses différentes, en fait, tu vois. Genre de parcourir des paysages, des quartiers variés, tu vois. C'est ça, c'est pas l'action de marcher en tant que telle, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? J'avais un prof, il arrêtait pas de dire ça comme tic. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Mais vraiment, hein, il le disait vraiment deux fois en 5 minutes. Ah là là, c'est fou ce qui se passe. C'est énorme ce qui se passe. J'ai tellement pas envie de regarder Kolyoko Evolution, je vous jure. Ça me fait tellement mal. Évolution. Est-ce que je les ai? Oui, j'ai le 8 et le 9. Faut que je télécharge la suite dans pas longtemps. Parce que j'ai juste. Sur mon PC, j'ai jusqu'au 10. T'inquiète, non, non plus. C'est vrai que dans Overwatch. Ah ouais, non mais. Ah oui, bah oui, mais putain, moi, ma waifu, c'est Diva. C'est Diva, bien sûr. Bon, tu me diras, elle aussi, c'est purement d'un point de vue design. Elle a pas beaucoup, elle a pas beaucoup de story. Mais putain, Diva. Bon, c'est peut-être parce que aussi, c'est mon main de personnage aussi à jouer que. Oh, putain, ça fait des lustres que j'ai pas joué à Overwatch. Ça fait plus d'un an, c'est sûr. Ah ouais, mais par contre, je tape Diva PNG, je tombe sur des trucs un peu bizarres. Merci, Diva! Qu'est-ce qu'elle dit aussi? Attends, est-ce que Diva
catch. Attends, phrase. FR. Mais c'est dans le 2 qu'il va y avoir un mode histoire d'ailleurs, non? C'est le fait de marcher, c'est ma waifu, c'est ça, c'est ma waifu. Parce que ça, c'est vraiment. C'est vraiment le truc que je voudrais de fou dans Overwatch, quoi. Une histoire. Enfin, il y en a une, mais. C'est plus du lore qu'une histoire, quoi. Diva en ligne. C'est bien de l'extrouver. Bah, bravo, Joey-kun, bravo. Les jeunes gaspillent vraiment la jeunesse. C'est un jeu pour les enfants. Mon âge. Genji, il paraît que tu détiens tous les meilleurs scores. C'est exact. Mais... Tout grave. D'accord, mais seulement si je peux avoir le tien. J'adore ton nouvel album. C'est qui déjà cette doubleuse? Zelda waifu ou pas? Ça dépend laquelle. En vrai, celle de Breath of the Wild, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Ah oui, c'est elle, oui, attends. Geneviève. Non, oh, putain, elle est belle. Alors, elle a doublé quoi que je connais? Elle a doublé... Man of Steel, Kong Skull Island, je me souviens pas. Les animaux fantastiques, Nagini, ok. Ah, Nagini, c'est le serpent. Ouah. Ok, je me suis fait spoil. Et je vous ai spoil... par la même occasion, désolé. Tu embrasses mon cul qui rejoint ma famille. Putain, ça fait tellement plaisir d'avoir un petit baiser comme ça sur le cul. Ah, c'est Dorothy, c'est vrai que c'est Dorothy dans Merhaven. C'est vrai que c'est Dorothy. Diva. C'est aussi... Star Wars The Old Republic, je l'ai pas fait. C'est Jad Green dans Inazuma Eleven Go, mais je connais pas. C'est Ciri dans The Witcher 3. Ah oui, c'est Luna Freya, oui, c'est vrai. Ok. C'est vrai. Bon, en vrai, faudrait pas tarder à arrêter le café pour ensuite regarder Évolution, mon cul. Putain, j'ai tellement pas envie. J'ai tellement pas envie. C'est tellement douloureux, quoi. Mais c'est physique, hein. Ça fait du mal physiquement. Je ressens des palpitations. Je pense que j'ai un cancer à cause de ce truc. Je pense que vraiment c'est le même effet que fumer une clope, tu vois. C'est que sur la longue, ça va me détériorer la santé. Oui, non mais la surprise, mais c'est pour ça que... Ouais, c'est vrai que je devrais peut-être un peu plus espacer. Mais c'est parce que le truc, c'est que sinon ça va prendre 1000 ans en fait. Je me dis, ouais, bon, enchaînons comme ça sur la longueur, je finirai plus vite, mais. C'est la surprise. Pourquoi on continue à regarder? Mais parce que moi, je veux faire, encore une fois, je compte en faire des vidéos, enfin une vidéo. Pour en parler sur Lyoko Factory, parce que c'est quand même se voiler la face et c'est quand même, j'aime pas, tu vois, genre j'ai une chaîne consacrée à Code Lyoko et j'ai pas envie de ne jamais faire de vidéo sur Code Lyoko Evolution. Donc mais comme j'ai aucun souvenir, parce que bah normal, mon cerveau s'est protégé, tu vois, il a oublié le plus possible des choses, mais comme j'ai oublié trop de choses, et bah je remate pour pouvoir critiquer, pour faire une critique constructive et pas juste dire c'est de la merde. Et le truc, c'est que bah, je préfère mater en live parce que de mon côté tout seul,
J'ai pas envie de souffrir tout seul. Elle est où ma surprise ? Ce qui est terrible, c'est que c'est une surprise, mais un peu à double tranchant, parce qu'en fait, si les choses ne se passent pas comme prévu, bah c'est plus trop une surprise. Il veut qu'on souffre avec lui. Ah là là. Ah bah oui. Non mais sinon, moi je me motive pas en fait. Hein. Je vais pas me motiver à. Je vais pas me motiver à regarder quoi. C'est beaucoup trop douloureux. Il faut me comprendre là. Oui, oui, oui. Notre ami, c'est vrai, pensons à Rémi, putain. Il s'est donné, hein. Il s'est vraiment donné. Hein. Il s'est donné sa personne. Bon, où est mon. Allô? Au pire, je mattrai. Au pire, non, peut-être. À la limite, peut-être que je mattrai dans mon coin. La suite, je sais pas, à voir, mais parce que c'est vrai que je vous impose quelque chose de difficile. Je suis là. Voilà, je m'amuse avec la webcam, on fait comme on peut. Oui, du coup, petite surprise pour ceux qui sont en stream avec nous. Petite exclue. Oh. Petite exclue. Pour le projet à venir, parce que si tout se passe bien, le voyage va pouvoir reprendre d'une façon différente. Il est grand temps de repartir, comme disait un grand homme. Et on était un petit peu dans ce qu'on peut appeler une période transition, mais j'ai envie de vous dire, si les choses, encore une fois, hein, je mets des si un petit peu comme le gouvernement, si les choses avancent bien, on va pouvoir sortir de cette phase de transition.
Allô? Est-ce que des gens m'entendent? Alors non, ce n'est pas le live 24 heures. Non, c'est plutôt la phase 3 de la MKTV qui va arriver bientôt, si tout se passe bien, Inch'Allah, si tout se passe bien, le retour des let's play, tout ça, en force, avec pas mal de trucs que j'ai vraiment vraiment envie de faire. Bah, le retour, oui et non, mais c'est juste que, je pouvais pas, enfin, comme le setup me permettait pas vraiment de jouer sur console, sur PC, là, ça risque d'être utile, j'espère. Et si ça se fait, eh bien, Inch'Allah, je vais enfin pouvoir vous faire plein de jeux et mettre toutes... Alors, je mettrai les VOD en très bonne qualité et tout, mais sur ma chaîne secondaire, parce que c'est vrai que les let's play vraiment de bons jeux comme ça, ça manque. Mais oui, plein de lives en ce perspective, en espérant que ça marche, que tout marche. C'est tout ça. Voilà. Bon, je sais pas si je vais mettre ça prochainement sur YouTube. En fait, j'ai trop peur. Tu vois, j'ai trop peur qu'il y ait un hic, que j'ai un problème de PC et tout, et que du coup, je puisse pas convenablement streamer, et que du coup, la bande-annonce est en mode « Bah, mais la phase 3, elle arrive pas du tout, en fait. » Oui, oui, attends. Allô? Ah mais non, mais c'est pas ça, putain, la vie de ta mère. Bon, après, je pense pas que je vais faire sur de l'alternance. Alternation, alternance, non, oui, alternance, ça se dit. Je pense vraiment que je vais faire... Après, je sais pas, hein, vous savez, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Mais je pense que je vais rester sur du un jeu à la fois. De pas trop switcher entre les jeux. Histoire de pouvoir avancer. Quoi. Parce que si je commence à alterner, j'ai peur de du coup prendre trop de temps sur certains jeux. Que ça avance trop lentement. Aïe ! Alors que j'ai vraiment de... Oh, je me suis fait mal à l'orteil. Alors que j'ai vraiment envie de... Mais le truc, c'est que... Faut voir si je vais pas essayer d'alterner un peu quand même. Parce que, vous voyez, il y a Pirate Wars 4 et il y a Battlefront que j'ai pas du tout fini. Que j'ai commencé, que j'ai toujours pas fini. Sauf que il y a quand même Mario Odyssey qui me hype bien deux fois à vous faire. Il y a le DLC de Pokémon qui arrive. Et que ça, pareil, je vais quand même le faire le plus tôt possible. Donc voilà, le truc, c'est que peut-être qu'au début, je vais un peu alterner. Ou peut-être que je vais juste alterner avec le DLC et je vais essayer de finir Pirate Wars 4 entre guillemets le plus rapidement possible. Parce qu'en soi, bon, c'est pas un jeu hyper hyper long, mais pour ensuite enchaîner avec un autre jeu et puis le faire intégralement. Faut que je vois. J'essaie de penser un peu à un planning, mais il est pas... je sais pas si je pourrais le tenir, tu vois. Genre, je me suis dit, Odyssey, Kolyoko, je pourrais les finir en juin, mais en vrai, non, en vrai, peut-être pas. Hein. En vrai, peut-être pas, parce que j'ai pas envie de passer ma vie à streamer non plus. Surtout que j'espère que la qualité, ça va aller, et que les jeux pixelisés, ça va pas faire trop trop chier. Odyssey, on peut alterner en vrai, oui. Après, Kolyoko, parce que Kolyoko, je mettrai ça aussi sur ma chaîne Lyoko Factory, enfin les épisodes je les mettrai sur Lyoko Factory, donc à la limite Code Lyoko aussi, tu vois, c'est un jeu qui peut s'alterner dans le sens où c'est pas obligé que j'enchaîne tout, qu'on fasse tout d'une traite, enfin qu'on attende de le finir avant de passer à un autre jeu, c'est peut-être pas obligé puisque de toute façon, les épisodes je les mettrai pas tout d'un coup sur la Lyoko Factory. Mais du coup, voilà. De toute façon, le trailer ira sur YouTube dans pas longtemps. En plus, le trailer est vraiment pas long. Ah ouais? Je m'en souviens pas, ça. En vrai, Code Lyoko, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait. Enfin, depuis, je crois, le Let's Play Dailymotion, je crois que je l'ai jamais refait. Enfin, je l'ai recommencé, je l'ai rallumé plusieurs fois, mais je suis jamais allé jusqu'au bout. Odyssey, il est quand même long.
Odyssey, il est quand même long. Le DLC de juin, bon, à voir quelle forme ça prendra, mais de toute façon, il sera, à mon avis, il sera pas très très long d'un point de vue histoire. À mon avis, ça sera surtout des... Ça sera surtout des rajouts en mode hop là, des nouvelles zones avec des anciens Pokémon et tout, des légendaires et tout. Mais ça, c'est des trucs qui sont peut-être pas foncièrement intéressants à faire de ouf en let's play. Donc à voir. Donc en vrai, je pense que il y a moyen qu'en 2 jours de stream, à peine l'île solitaire de l'armure, elle peut être finie. Parce que je compte pas faire en let's play vous capturer des espèces et tout qui me manquent. Surtout que je vais pas les capturer vu que je les ai déjà. Mais à voir. Mais je pense pas que le DLC de Pokémon sera très très long. Je pense pas. Storm 4, pareil. Pareil, c'est pas très long. Storm 4, ça fait depuis 1000 ans que je veux le faire. C'est terrible. Hein. Non mais parce que c'est depuis que je le mets dans mon opening là. I'm looking from the sky, I'm under the moonlight. Can you see my name in the sun? I bet you heard come coming. Non mais depuis cette époque je veux le faire parce que on a fait les 3 premiers en live. Et depuis qu'on a fait les 3 premiers en live et que j'ai fait le 4, je veux le faire en... pour terminer un petit peu quoi. Donc pareil, Storm 4, il est pas très très long en soi. Beyond Two Souls, c'est quand même un jeu qui a une très belle histoire, mine de rien, et que pareil, en soi, il est peut-être pas très long. Enfin bon. En vrai, de toute façon, je me pose comme objectif de finir tout ça d'ici un an. Essayer de finir tout ça d'ici un an. C'est-à-dire que d'ici juin de l'année prochaine, j'aimerais vraiment avoir fini tous ces jeux. Et en soi, je pense que c'est quand même faisable. Parce que les DLC, c'est pas très long, à mon avis. Code Lyoko, vous me dites que c'est pas long. Stamp 4, il est pas long. Enfin, non, il est pas très long quand même. Je sens que ça n'a pas fait avant les 200 nouveaux. Ah, oh, non. Bah après honnêtement, je pense que les anciens Poké, j'en ai capturé quelques-uns pour le fun. Mais en soi, je vais pas trop m'attarder dessus, je pense. Parce que bah, je les ai déjà sur mon Living Dex, quoi. Sauf Star Wars. Mais moi, je kiffe Star Wars. Donc, du coup... oui, c'est à mon avis, oui, vous n'allez pas vous ambiancer, mais moi, les jeux Star Wars, il y en a pas mal que je kiffe. Et le scénario de Battlefront 2, il était tellement cool, il était tellement intéressant. Oui, en plus, c'est le 2, hein, c'est pas le 1. J'ai mis le logo du 1, mais c'est le 2, hein, Star Wars Battlefront. J'ai pas mis le logo du 2, merde. Est-ce qu'il change beaucoup le logo de Battlefront 2? Oh non, il change pas beaucoup. Bon, je vais le changer. Bon, bref. Du coup, on va peut-être s'arrêter là. Oui, à vrai. Non mais après, c'est une marche, tu vois, genre, je préfère être large, tu vois, enfin, c'est que je compte pas non plus passer, j'ai pas envie non plus de passer ma vie à streamer, donc c'est pour ça que j'ai vu large, en mode, j'aurais sûrement le temps de tout faire, mais, enfin, c'est sûr que si je streamais tous les jours, oui, c'est sûr qu'il y a largement le temps de faire tout ça en un an, mais c'est juste qu'avec mon rythme, ou je sais pas, ça sera peut-être un ou deux streams par semaine, ou je sais pas, peut-être un peu plus, ça dépendra, mais... Enfin, bref. Bref, les gens, bref. Oh, putain. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce Café MKTV. Pour ceux qui ont du courage, eh bien, on va rester, on va se faire un petit after. Je sais, en vrai, je sais pas si on va mater 2 épisodes de Code Lyoko Evolution. 1, c'est déjà vraiment pas mal.
Donc, on va voir. On va voir, mais en tout cas, on se retrouve juste après. Donc voilà, pour ceux qui regardent en VOD, on fait des bisous. Ah, on me voit deux fois. Allô? Et puis pour ceux qui sont sur le chat, eh bien, vous pouvez rester si vous voulez, parce qu'on fait on part en after, comme le dit la tradition. Après ce grand débat des waifus. Allez, des bisous, tchou!